What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement. Personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Hypixel Skyblock. Et ça fait quelques moments que j'ai pas fait de vidéo les amis, je m'en excuse. C'est que je m'ennuie un peu sur Skyblock avec Jerry, donc on s'est occupé de faire quelques fiestas de mining, faire des donjons et tout, on avance dans notre truc de catacombe, on est bientôt catacombe 40, c'est mon prochain goal là, j'essaie de farmer pour être catacombe 40 mes chers amis. Mais aujourd'hui il y a un Spooky Festival qui commence dans 30 minutes, donc voilà, j'ai décidé de pêcher un peu pour développer mon niveau de pêchage. Mais avant que le Spooky Festival commence, je voulais vous dire que j'irai qu'une superbe vidéo où ce que vous allez pouvoir voir à quel point je me suis fait de l'argent. Donc vous allez pouvoir voir dans la... C'est quoi ça? Dans la prochaine séquence, vous allez voir les amis qu'il y avait le Mining Fiesta hier et j'en ai profité pour miner à peu près pendant 3 heures. 3 heures de minage complet, bon, il y a peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, dépendamment de, tu sais, le temps que ça m'a pris pour aller de chaque, tu sais, de trouver la mine of Divan et toutes ces conneries-là, tous les trucs que j'ai minés, il fallait trouver des endroits pour les miner, donc peut-être un peu moins, mais en gros, ça m'a, j'ai eu le temps d'en faire pendant moins 3 heures, et vous allez voir, on a aussi fait une run de Crystal Nucleus, et on a, une truc intéressant, ok, aussi que j'avais jamais remarqué avant, c'est que si on regarde ici, les amis, il y a une commande avec SBE qui est plutôt intéressante. On peut voir que j'ai fait 122 runs de Nucleus, ce qui est quand même assez incroyable. Et j'ai remarqué que j'étais numéro 30 dans la Gemstone Powder. Je suis 28 exactement dans les rangs de Powder. Donc avec 9 800 trucs 1000, je suis... Ouais, voilà, j'étais quand même assez surpris, les gars. Je suis 28e en total, donc ça veut dire qu'il y en a qui en ont beaucoup plus. Mais c'est quand même intéressant de savoir que je suis quand même dans le top 30 des gens qui a plus farmé la powder sur le serveur. C'est plutôt cool. Et puis voilà. Donc je vous laisse avec le Mining Fiesta. On va voir combien d'argent qu'on va se faire, les amis. Je peux vous dire que c'est dans les 6 chiffres. Hein. Je vous mens pas, c'est dans les 6 chiffres. Alors voilà, je vous laisse avec les séquences qui suivent. Ok les amis, donc le festival est terminé, ça comme vous voyez vient de se conclure. Donc après 3 heures à peu près environ de mining, il est 5 heures du matin maintenant, donc c'est l'heure bientôt d'aller dormir. C'est le temps d'aller dormir depuis longtemps, mais bon. Donc voilà, on a terminé pas mal de trucs, donc je vais juste récupérer les cristaux qu'il faut. Donc je suis dans un D4. Donc je pense que je vais récupérer tous les cristaux et faire une run de cristaux avant de se laisser. Et ensuite on va regarder combien d'argent on a fait durant l'heure. Donc bon, ça va être un petit peu, ça va peut-être un peu changer, mais pas tant que ça. Si on regarde déjà notre bag, on en a pour 96 millions, mais on en a plein ici aussi. Donc je vais calculer tout ça, on va faire des buy order et tout ça. Et je vous reprends bah, lorsque j'ai tous les cristaux, voir si on est capable d'être chanceux et d'avoir des bons trucs. Ok les gars, c'est mon, je suis un dernier cristaux, on les a tous récupérés les autres. Il manque juste le améthyste et on va pouvoir aller les poser et voir combien d'argent on a. Donc je vais regarder dans le coffre de la jungle en même temps s'il a des bons trucs. Et je vais vous reprendre lorsque j'aurai miné jusqu'au milieu du nucleus pour mettre notre dernier petit truc pour voir si on n'est pas capable d'avoir un petit divan à l'eau pour notre petite run de la journée. Ça sera notre run du Mining Fiesta. Comme j'ai dit juste avant, j'ai malheureusement pas pu eu la chance de miner durant tout le Fiesta. Vu que ben, le Fiesta commençait à minuit quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis couché très tôt et je me suis réveillé. Il était 21h. J'ai fait les premières heures et ensuite ben, j'ai été bouffé, j'ai fait autre chose. J'ai joué aussi à Call of Duty. Parce que voilà, il y avait la bêta et je voulais jouer avant que ça se termine. Mais voilà, pas rien d'intéressant ici. Et pas rien d'intéressant ici, même pas de double pot d'or activé, donc ça sert à rien. RIP. On va prendre les petits trucs pour level up notre golem. Et puis maintenant, let's go au milieu les gars. Et je vous reprends lorsque je mets les cristaux. Alors nous y sommes les amis, j'ai trouvé un peu de sludge en venant ici, j'ai pris 18 sludge, il y avait un endroit de sludge. Je pense que je vais aller refarmer les sludge après, je sais pas, on verra de... On verra. Voilà, bilou, par lit, par sous. Allez, et pour terminer le bleu. Alors, on a quoi? Je vois rien de bon là pour l'instant. Je vois un divan fragment, ce qui est pas mal du tout en fait. On a. Ah, on est full inventaire. Ça va être un peu bordélique là.
Vas-y, on va tout mettre ça ici au pire des pires et on regardera ça plus tard. Voilà, le divan fragment c'est pas mal. Pas de find, je crois. Ah si! Un flawless. Je crois qu'on a eu un flawless, les gars. Oh, attendez, je crois qu'on a eu un flawless quelque chose. On. Un. Non, non, on n'a pas eu flawless. Ah putain, on a eu des finds. Ah, j'étais sûr qu'on avait eu des flawless, mais non, pas du tout. Un peu dommage. On a quand même eu une récolte potion et une picolimbus avec le divan fragment. Donc ouais, un peu de la merde quand même, on va pas se mentir. Ok, un peu déçu. Donc maintenant, je vais calculer tout ce que le mining fiesta nous a apporté. Et puis, je vais vous reprendre dès que j'ai calculé toute la monnaie. On est rendu à combien? Bah, dans le bac, ça n'a pas changé, hein, toujours la même chose. Bon, ça a perdu de l'argent parce que, bien entendu, vous savez, le prix descend après le mining fiesta. Donc allez, je calcule tout ça, je fais le calcul de tout ça et je vous reprends. Ok les gars, le résultat final de tout ce qu'on a eu. Donc je vais faire un petit slash bazar. On a 1 point, on va dire 1,4 million d'items inutiles. Donc des petits trucs moins bons. On va pas les calculer dedans le truc. On va juste calculer vraiment tous les trucs intéressants. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc à peu près 3h30, je dirais à peu près de farm. Donc on va diviser le temps que je me rends à chaque truc, les serveurs qui farment et tout. On va dire 3 heures. Donc voici le jade que j'ai farmé. Donc j'ai farmé à peu près 1 heure le jade, à peu près 30 minutes, 40 minutes l'ember. Le topaz, j'ai farmé un peu plus. Ensuite j'ai été chanceux, j'ai trouvé une petite grotto. Donc j'ai réussi à avoir 30 jasper. Ça c'est dans les coffres j'imagine, je sais pas. J'ai dû en miner sur mes chemins, en faisant des chemins. J'ai dû miner du saphir et de l'améthyste. Et les refines minerais. Et pour finir, tout le rubis que j'ai trouvé aussi. En gros, ça, tu le trouves. Je l'ai trouvé à la même endroit que le Ember. Donc, c'est pour ça qu'il y en a à peu près la même chose. Donc, si on calcule l'Ember et le Fine et le rubis, je veux dire. Vu que j'ai les biomes où ce que j'étais, c'était les deux mélangés en fait. Le truc où ce que j'utilisais. Donc, je dirais que c'est 1 heure de ça, 1 heure de améthyste. Pas Métis, mais Amber et Ruby. Et une heure de Topaz. Le Topaz, bon, comme vous voyez, il y en a plus parce que c'était les plus gros filons. Vous savez, j'utilisais le truc de banana de bot. Donc, assez cheatax, quoi. Et puis voilà. Donc, si on vend tout ça, les amis, comme vous savez, j'ai déjà perfect, tout farmé à la main, ma perfect. Et j'ai déjà aussi le talisman perfect. Il manque juste un attachement dessus. Il faudrait que je mette un truc comme enrichissement ici ou un truc comme ça. Donc, ça, je vais aller le faire tout de suite après. Mais pour l'instant, comme vous pouvez voir, j'ai plus besoin de perfect et tout. Donc, tout ça m'est inutile. Donc, le seul truc qui est utile, c'est ça ici en ce moment. Et les perfects pour acheter le dragon, quoi. Donc, il manque juste un Ember perfect que je vais pouvoir crafter. Mais sinon, ceux-là, je vais les garder, quoi, pour faire des gemstone mixture ou en cas qu'on en a besoin. Mais tout ça ici, j'en ai point besoin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tout vendre ce qu'on n'avait pas de besoin. Donc je vais vider mon inventaire ici. Et on va faire des offres et on va calculer combien d'argent qu'on s'est fait durant les 3h30 de Fiesta. Donc ça devrait être à peu près aux alentours de 300 M normalement. Je l'espère du moins. 200 M ça serait vraiment cool. Plus que 200 M les gars, je serais extrêmement content. Donc let's go, c'est parti. Faut savoir que le prix en ce moment il est au plus bas. Donc voilà quoi. On en a pour 38 millions et ils sont à combien l'unité? L'unité sont à 29 000 les gars. Normalement c'est aux alentours de 30 000. Donc je vais les mettre un peu plus haut. Donc on va les mettre à 30 000 l'unité. Donc voilà, presse pas réunie. Et ça va nous faire un total de 42 millions. Donc je vais calculer, je vais ouvrir une calculatrice parce que je vais pas m'en souvenir sinon les amis. En 42 millions. Donc voilà. Plus, maintenant on va prendre tout ce qui est rubis. Donc let's go, le rubis on en a pour 23, ils sont à 27, vas-y on va les mettre à 26, on va les mettre à ce prix-là je crois. 26, normalement ils sont à combien? C'est à peu près à ce prix-là, donc ouais. J'aimerais bien les mettre un peu plus haut par exemple, je pense que je vais les mettre à 27. Vas-y, 27 000 ça nous fait 24 millions. Donc, plus 24 millions. Let's go. Plus. On a quoi d'autre? On a le topaz. Voilà. Le topaz, bon, ça va être baisé. Normalement, c'est aux alentours de 30 000 unités. 39 000. Je vais le mettre à. Je vais mettre à 40 000 unités. 40 000 unités, ça nous fait 81 millions. Donc, ok. 81 millions.
Tac, 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 tac. Plus on a encore. Qu'est-ce qu'on a encore à vendre? On a encore de l'ambre. De l'ember. Let's go. Donc, ember, on en a pour environ 30 000. Et ça, c'est 35. Ouais, 38 000. 39 000. On va les mettre à 39 000. L'unité. Voilà. Et ça nous fait 37 millions. Donc, 37 millions en plus. Plus, il nous reste encore des petits trucs. Donc, il nous reste le jasper, ça et ça. Ok, donc, il nous reste le jasper qui on en a pour 2 millions. Ils sont à... Ah ouais, je pourrais mettre à 99 000 en vrai. On va faire ça comme ça, en vrai de vrai. Ça va faire 3 millions, on va rajouter 3 millions. Donc, 3 millions. Plus l'améthyste. Voilà, qui fait un autre 3 millions. Donc, qui est parfait. Et le saphir qui fait un autre 2,5. Donc, on va faire 3 millions plus 2,5. 3 millions plus 2,5. Plus, il ne faut pas oublier les refined minerais, les amis. Donc, on en a pour environ 3 millions. Je vais les vendre instant 3,2, tiens. Vas-y, 3,2. 3,2 millions. Plus, faut pas oublier les amis que j'ai eu certains items. Donc j'ai eu la récolte potion et l'armadillo dans le truc. Mais bon, on va pas vraiment les compter. Mais en gros, ça nous fait un total de 195 millions les amis. 195 millions si on arrive à vendre tout ça. 195 millions plus les 200... Bon, ça c'était les yogis que j'ai eu pendant que je farmais le topaz. Donc ouais, on en a pour à peu près 200 millions. Donc exactement, j'ai fait les calculs sur l'écran comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est tous les calculs total. Quand même plutôt pas mal les amis. 200 millions en à peu près 3 heures. Dommage, j'aurais pu farmer un peu plus. Je croyais que j'aurais pu faire. Normalement, un manifesta me donne environ 300 M. Donc je suis un peu déçu. Mais comme j'ai dit, j'ai pas farmé pendant la totalité de l'event. Donc c'est peut-être aussi ça qui a joué un peu contre nous. Faut pas oublier aussi que... Ben voilà quoi, il y a quand même... Comment ça s'appelle? Et quand même, tu sais, le temps qu'on change de lobby, les conneries comme ça, les gens qui farment avec nous et toutes ces conneries-là. Donc ouais, quand même pas mal comme event. On va se l'avouer les gars, c'est quand même assez cheatax. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à bientôt avec 200 millions en plus dans la banque. Allez hop hop hop!